t'as même pas idée comment je suis en train de souffrir. Écoute, on est dans un autobus parce que c'est le seul moyen de transport qui va nous amener dans un lieu vraiment magique. Tu vas voir, je vais te le faire découvrir. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les 5 mètres, alors on ne s'arrête pas de bouger. Alors ça y est, en fait, on est arrivé. Le truc qu'il y a, c'est qu'on est arrivé à la fermeture. On a négocié avec le gardien en fait du site, il nous a laissé rentrer, mais on en a juste pour 20 minutes juste pour visiter. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut y arriver tôt le matin. On a mis 2 heures de trajet pour arriver. On a que 20 minutes pour en profiter. On a un petit peu de marche. Je vais essayer de te faire découvrir le maximum que je peux te faire découvrir. On est sur un site qui s'appelle Otomi exactement. Ce sont des monuments historiques. C'est un lieu spécial de Mexico. Donc écoute, je te fais découvrir tout ça et j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui, je vais te parler de un de mes secrets qui m'a permis tout simplement d'aller jusqu'à la réussite. Et je dois vraiment bien à mon épouse. Alors, je suis un petit peu essoufflé, je t'explique pourquoi. Parce qu'on est dans un site, donc je te le fais visiter en même temps, archéologique, et qui s'appelle le centre cérémonial de Otomi. Donc voilà, nous y sommes en plein dedans. Mais il y a beaucoup de marches à monter, il y a beaucoup d'escaliers. Et c'est, mais franchement, c'est magique. Alors, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et c'est pour ça qu'on en profite un maximum. Mais je vais te parler de ce secret en fait qui m'a permis justement d'arriver là où je voulais aller. Ce secret là, c'est la méditation. Alors peut-être que tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que c'est réellement méditer? En fait, méditer, c'est un tout, ça permet tout simplement d'un, de se ressourcer, deux, de travailler sur soi. Je t'avais dit que je t'en parlerai durant une vidéo d'ailleurs, où je t'explique un petit peu mon opinion et la définition du marketing de réseau. Mais c'est vrai que là, en fait, la méditation, c'est quelque chose en fait qui est important. Et je te conseille, si tu n'as pas encore testé la méditation, et bien d'aller chercher des vidéos sur YouTube, que ce soit méditation guidée ou autre. La méditation va te permettre tout simplement de travailler sur toi, d'accord, d'aller chercher vraiment ce que tu veux. Ça va te permettre d'apprendre à respirer, ça va te permettre de travailler ton intérieur, c'est une forme de développement personnel. Bref, moi je te le dis en fait, et ma femme un jour, mon épouse me l'a dit, à partir du moment où tu vas commencer à méditer, ta vie elle va changer. Et c'est ce qui s'est passé réellement. C'est vrai que je l'ai écouté, je savais vraiment pas ce que c'était la méditation. Elle m'a appris, elle m'a fait une méditation guidée, et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, eh bien, ma vie a changé complètement. Je t'assure vraiment, pour toi qui m'écoutes, en fait, que si tu apprends vraiment à méditer, et cherche bien le mot méditation, hein, aucun rapport avec la religion ou autre, parce que c'est vrai que les gens fermés pensent que la méditation est en liaison avec la religion, alors rien à voir.
Ça vraiment, pour ceux qui pensent ça, ce sont les gens qui sont encore dans l'ignorance. En fait, la méditation, c'est vraiment un élément essentiel de la vie qui te permet vraiment d'aller chercher ce que tu veux, encore une fois. Et je te conseille vraiment d'apprendre à méditer. Si un jour j'ai l'occasion, j'essaierai, pourquoi pas avec mon épouse, d'essayer de te faire une méditation guidée, de manière à ce que ça te permette justement d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher ce que tu veux vraiment, d'aller chercher tes objectifs, d'être bien dans ta famille, d'être bien avec toi-même, et vraiment de savoir pourquoi tu es là. Et surtout, en fait, la méditation va te servir également à découvrir une chose, c'est ta mission de vie. Quand moi j'ai commencé à méditer, c'est quelque chose qui m'a permis tout simplement de savoir réellement pourquoi j'étais là sur cette terre. Et là, en fait, tu dois te dire, mais pourquoi il me parle de tout ça? Mais pourquoi il me parle de ça? Tous ceux qui ont eu du succès, je t'assure qu'ils ont fait un travail personnel sur eux-mêmes, mais également, et regarde un de mes mentors, Anthony Robbins. Alors c'est vrai que lui aussi, c'est vrai qu'il l'appelle pas comme ça, mais effectivement, la méditation fait partie de sa vie. Il appelle ça un exercice de respiration qu'il fait tous les 10 minutes le matin, mais en fait, c'est juste tout simplement de la méditation. Voilà, donc tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas, moi, c'est un élément qui m'a permis de changer ma vie. Et je te conseille vraiment de commencer à apprendre à méditer, parce que la méditation, vraiment, c'est quelque chose que moi, je pratique tous les jours. Prendre 10 minutes pour toi tous les jours, je pense que c'est pas énorme. En fait, moi, ce que je fais tous les jours, je prends 10 minutes pour moi pour tout simplement méditer, travailler sur moi-même et aller chercher dans mon intérieur ce que je veux vraiment. Comme je te l'ai dit, c'est ma femme en fait qui m'a appris à méditer, et je vais essayer de lui demander deux mots en fait, et elle va t'expliquer réellement ce que c'est la méditation. Donc je vais traduire exactement puisqu'elle parle en espagnol. Mi amor. Sí. Entonces, yo me gustaría que tú hablas a la gente de la meditación y cuáles son los beneficios. Bueno, pues el significado de la meditación es un encuentro contigo mismo, con tu ser interior. Alors en fait, la signification de la méditation, c'est tout simplement rencontrer l'intérieur en soi. Es un estado consciente. C'est un état conscient. De que estás dentro de un plano. Tu es à l'intérieur d'un plan. Y bueno, pues principalmente a lo que te ayuda es estar tranquilo, consciente. En fait, c'est quelque chose qui te permet d'être tranquille, en un tiempo presente, conscient, dans un temps présent. Y pues principalmente que te puedes concentrar a muchas cosas. Et qui te permet de te concentrer vraiment sur plusieurs choses. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où elle a commencé la méditation? Pues empiezas a romper una estructura que tu crees que es, pero no es. En fait, quand tu commences à méditer, tu commences à, on va dire, casser un schéma que finalement, avant tu pensais que c'était le bon, mais finalement quand tu commences à méditer, eh bien tu romps ce schéma-là. Quels sont finalement les bénéfices de la méditation pour toi? Y entonces, finalmente, ¿cuáles son los beneficios por la gente de meditar? Pues número uno, que logras tus objetivos. Numéro 1, eh bien, atteindre tes objectifs. Que realmente no hay una religión, que eres tú un ser espiritual conectado con el todo. Tu es un être spirituel dans un monde spirituel. Que todos estamos interconectados como en una red. En fait, on est tous interconnectés comme un réseau, en fait, tu vois. Te da muchos beneficios de salud. Ça te donne beaucoup. Ça te donne beaucoup de bénéfices. Dormir pour la santé, mejor. Mentalement, et ça te permet de mieux dormir. Y que finalmente todos tus problemas o que tú crees que tienes problemas tienen solución. Et finalement, en fait, tous les problèmes que tu penses que tu n'as pas de solution, mais finalement si, la méditation en fait t'aide à trouver la solution à ton problème. Donc voilà, donc écoute, ça a été un plaisir en tout cas de te faire partager la vie de mon épouse. Gracias, mi amor. De nada. Ben voilà, je dis à la gente finalement que es gracias a ti que yo descubrí la meditación y que a partir de este momento finalmente mi vida cambió. Nada más. Bueno, pues gracias. Siempre somos nada más vehículos para poder reconectarnos. En fait, on est tout le temps des véhicules en fait, qui permettent d'être tout le temps interconnectés entre nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on parle un petit peu technique, tu vois, mais quand tu commences vraiment à pratiquer ce domaine-là, je te jure, vraiment fais-le, la vie, elle change.
fait on s'est fait un petit peu engueuler, tu vois, parce qu'on est les derniers sur le site. Bon, on a été les derniers arrivés, tu vois, donc mais franchement c'est magique, tu vois, on a voulu en profiter un maximum. J'en ai profité également de faire la nouvelle vidéo tournage qui permet de promotionner la formation qui s'est convertie en numéro 1 sur le marché MLM, donc sur internet, ok. Tu retrouveras cette formation exactement dans la description, juste en bas. Là, on est obligé de quitter le site. On était en direct du site de Otomi, le centre culturel de Otomi exactement. Pas très loin de Toluca. C'était génial, c'était magique. On en a profité pour se ressourcer un petit peu. On a médité également. Et donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est pas encore fait, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit pouce. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait également, n'hésite pas à t'abonner juste en bas. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de te faire cette vidéo sur un de mes secrets qui m'a permis d'arriver là où je voulais aller. C'était un plaisir encore une fois. C'était Mathieu, surtout sur le marketingdesreseaux.com. On se retrouve durant une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, reste simple et vide à l'abondance.